Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de partager avec vous ma petite expérience de comment est-ce que j'ai rencontré Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, à la base, hein, il faut que vous sachiez que je suis née dans une famille chrétienne. Mais en fait, être née dans une famille chrétienne ne veut pas dire que tu es forcément chrétien, réellement né de nouveau. Donc, on allait à l'église et tout, mais je n'avais aucune expérience personnelle avec Dieu. J'y allais juste pour aller. Puis voilà quoi. J'aimais bien l'église aussi, mais aucune expérience personnelle avec Dieu quoi. Et il se fut un temps où je passais vraiment par une période très compliquée. Je veux vraiment pas entrer dans les détails, mais c'était vraiment hyper difficile et hyper compliqué. Et j'ai essayé de changer ma personnalité. À la base, j'étais bien avec tout le monde, mais j'avais toujours des problèmes. Donc, je me suis dit, OK, since vous me cherchez des problèmes pour rien, moi, je vais vous donner une occasion alors. Donc, j'ai décidé de changer de personnalité. Je suis devenue horrible comme personne. Mais vous savez, les gens qui sont, les gens qui souffrent dedans d'eux, c'est vraiment ces personnes qui hurt les autres en fait, qui font mal aux autres. Et j'étais exactement ce genre de personne quoi. Oh, j'étais horrible comme personne. Et puis après, j'en avais marre, j'en avais juste marre en fait. Je me disais, mais pourquoi en fait la situation ne change pas? J'avais pas la paix du cœur, je me sentais pas du tout aimée. C'était juste compliqué. J'en avais marre, j'étais au bout du bout. Mais j'aime une chose, c'est que lorsque tu es au bout, c'est là que Dieu intervient. Lorsque tu rentres dans l'impossibilité, ça c'est le domaine de Dieu, parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et donc, j'étais au bout du rouleau et je me suis juste, je suis allée vers le Dieu de mes parents. J'ai commencé à chercher le Dieu de mes parents et je priais toute seule parfois dans ma chambre. Et genre, j'avais des signes bizarres qui m'arrivaient, des visions bizarres et des rêves. Et après, j'ai cherché à parler à un homme de Dieu. Et à cet homme de Dieu que j'ai invité à la maison, il est venu, on a parlé, on a prié ensemble. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de donner ma vie à Christ. C'était un certain 9 mars 2012. J'oublierai jamais. Et c'est ce jour-là que j'ai été baptisée du Saint-Esprit pour la toute première fois. Et j'ai décidé de suivre Jésus et de ne plus me retourner en fait en arrière, de ne plus regarder aux choses du passé. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je suis toujours en Christ. En 8 ou 9 ans plus tard. 8, je crois. 8 ans plus tard, je suis toujours en Christ et je bénis le Seigneur pour cela, vraiment. Et j'aimerais juste exhorter quelqu'un qui m'écoute, qui n'a pas encore fait le pas. J'aimerais juste te dire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le diable ne te montre pas tout ce que tu gagnes en Christ, mais il va te montrer tout ce que tu perds dans le monde. Mais j'aimerais juste te dire qu'avec Jésus, tu gagnes beaucoup plus que ce que tu perds en fait. Avec Dieu, il y a la liberté, il y a la joie, il y a la paix. Donc le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Et ce que tu cherches, ce n'est pas l'alcool qui va te donner la paix dont tu as besoin. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas les femmes ou les hommes, mais que Christ, lui qui donne la paix, qui surpasse toute intelligence, qui donne la paix que le monde ne peut donner, une paix intérieure, même au milieu des troubles, tu as la paix dans ton cœur, c'est Dieu qui fait ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut donner qui peut te donner ce que tu cherches. Donc donne ta vie à Jésus. Jésus est la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur est la meilleure décision que j'ai eu à prendre de ma vie. Donc je voudrais vraiment t'encourager à le faire aussi et tu ne vas pas regretter du tout. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Jolly night for